Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle Agir en temps de crise, un cycle conçu en partenariat entre l'Institut d'études avancées de Paris, dont je suis le directeur, et l'École pratique des hautes études, PSL, dont le président Jean-Michel Verdier aurait voulu être là, mais malheureusement est retenu. Il va essayer de venir, mais on ne sait pas s'il va arriver à temps. C'est la troisième année de ce cycle commun. Vous pouvez consulter les séances précédentes sur le site du cycle « Agir en temps de crise ». Nous savons par les travaux des prospectivistes que des crises majeures vont se produire au milieu de ce siècle, notamment en raison de la raréfaction des ressources et de la croissance des inégalités. Ces crises ont commencé à se multiplier plus tôt que prévu, un peu partout, et ont des causes diverses, comme vous le savez, sanitaires, écologiques, économiques par exemple. Et directement ou dans un second temps, ces crises engendrent des tensions fortes. Même en l'absence de crise, d'ailleurs, des inégalités engendrent, et en particulier lorsqu'elles sont perçues comme injustes, des tensions très fortes. Ces tensions débouchent en général sur des mouvements sociaux assez violents qui expriment la tension locale et des sentiments de frustration ou de désespoir. Comme les crises accroissent les inégalités, nous sommes maintenant entrés dans une phase de turbulence qui va durer des décennies sur fond de transition globale. Donc la question est maintenant non plus comment éviter les crises, mais plutôt comment agir en temps de crise. La crise est un moment très particulier où les modes de régulation habituels sont mis en défaut. L'École pratique des hautes études et l'UA de Paris sont des centres de recherche et notre mission est de construire du savoir. Le savoir a toujours été le meilleur instrument de l'humanité vers un monde meilleur. Le savoir est une création collective et voilà pourquoi nous avons mis en place ce lieu de débat où chercheuses et chercheurs analysent les crises de manière collective, collaborative et examinent aussi comment les actrices et acteurs majeurs de la société civile, politique, économique, associative font ou ont fait face à différents types de crises. Comment ces acteurs parviennent-ils à naviguer dans une mer de contraintes croisées et d'incertitudes? Peut-on en tirer des leçons convergentes? Quels principes d'action utiles peuvent en être dégagés? L'histoire humaine peut être considérée comme une suite d'expériences dont nous devons, scientifiques, experts, décideurs, tirer des enseignements. C'est le but de ces discussions intersectorielles. Aujourd'hui, le thème de cette rencontre est ce qu'on a appelé la crise des banlieues. Et nous allons l'examiner à partir des événements de 2005 en France. Ma collègue, la professeure Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'EPHE, à qui nous avons confié la direction scientifique de ce cycle, va nous présenter les intervenants de cette séance. Et je lui laisse la parole. Merci Sadi. Merci à vous d'être venu assister à cette séance. Et merci surtout à Latifa Oulkouir et Marwan Mohamed d'avoir accepté notre invitation. Donc Latifa Oulkouir, vous êtes juriste de formation. Vous avez rejoint le Bondy Blog en 2016, je crois, dont vous êtes... 13, pardon, et vous en êtes devenue la directrice en 2019. Et en tant que journaliste, vous couvrez essentiellement les sujets d'actualité politique, mais aussi sociale. Voilà, donc merci d'être avec nous. Marwad Mohamed, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, au centre Maurice Alvax. Vous avez travaillé sur les bandes de jeunes, sur la délinquance juvénile, sur la question des inégalités sociales, les questions des banlieues. Et vous avez tout dernièrement publié un collectif avec Julien Talpin qui s'appelle Communautarisme, avec un point d'interrogation. Et vous avez également participé à un documentaire qui s'appelle La tentation de l'émeute, c'est cela ? Voilà. Donc merci et vous êtes régulièrement interviewé aussi par le Bondy Blog, ce qui nous faisait un lien entre vous deux. Alors je vais peut-être commencer par une question assez générale. Donc nous procédons comme suit, nous allons discuter, échanger avec nos intervenants, intervenantes et puis nous laisserons du temps bien évidemment pour une discussion. Marwan, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de la crise et les événements qui ont marqué cette crise? Merci beaucoup de l'invitation, merci beaucoup d'être là, vous toutes et vous tous, pour cet échange. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces événements-là, ou qui étaient trop jeunes ou pour qui c'est trop loin, quelques éléments de rappel.
Mais d'abord, juste vous dire qu'il y a quelque chose d'arbitraire quand on resitue, quand on recontextualise. On fait des choix sur ce qui paraît important pour les chercheurs de l'époque, pour le personnel politique, et on met de côté d'autres qui pourraient l'être. On fait aussi des choix au niveau de l'historicité, c'est-à-dire de la manière d'inscrire un événement dans le temps, jusqu'à quand on remonte pour situer ces événements-là. On pourrait remonter très loin. Comme on peut se limiter à une temporalité courte, c'est ce que je vais faire pour vraiment nous resituer en 2005, mais sachez qu'on peut remonter en amont. D'abord, ces événements et la mort de ces deux adolescents, et puis un troisième a été grièvement blessé, surviennent le 27 octobre 2005 au soir. Et en fait, les faits, c'est trois adolescents qui reviennent d'une partie de foot, qui sont pris en chasse par un équipage de police qui les poursuit et ils se cachent dans un transformateur EDF. Deux décéderont et un troisième sera très grièvement brûlé. Cet incident conduit un certain nombre de jeunes des villes voisines, d'abord de la ville de Clichy-sous-Bois dont ils sont originaires, mais de la ville voisine de Montfermeil, très rapidement à l'annonce de la mort de ces deux adolescents. Il y a une colère qui s'exprime et qui va se manifester par des dégradations, des affrontements avec les forces de police qui arrivent progressivement en nombre et qui vont donner lieu à une communication politique, d'abord à une médiatisation et une communication politique assez rapide, notamment sous... à travers les prises de parole de l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui fera passer ces adolescents comme des jeunes qui venaient de cambrioler, qui étaient poursuivis pour des faits de cambriolage, qui étaient soupçonnés de faits de cambriolage. C'était la raison pour laquelle ils se seraient enfuis. Localement, tout le monde sait que ce ne sont pas des adolescents qui sont connus pour des faits de cambriolage. Aucun fait de cambriolage, d'ailleurs, n'est signalé dans l'espace immédiat. Et donc, on a cette colère qui s'exprime pendant plusieurs jours à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Donc, des voitures brûlées, des policiers pris à partie, une destruction de mobilier urbain et de bâtiments publics également, la poste, une école. Ça s'inscrit dans un contexte de montée en puissance d'omniprésence d'une figure centrale, et c'est important, qui est celle de Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, mais qui n'était pas seulement ministre de l'Intérieur, qui était aussi quelqu'un qui se préparait pour l'élection présidentielle de 2007. Donc qui était dans une trajectoire politique et qui multipliait les coups d'éclat médiatique, notamment par un discours extrêmement virulent qui visait les quartiers populaires. C'est quelques mois avant, quelques jours avant, où il se rendra sur la dalle d'Argenteuil pour dire, dans une mise en scène, qu'il allait se débarrasser le quartier des racailles. Et c'était quelques temps après ces événements-là, quelques temps après une autre sortie à la Courneuve, où il avait parlé de nettoyer au Karcher. C'est là dont vient cette expression, ces quartiers des voyous, des racailles, etc. Donc on a un contexte de tension et une vraie détestation dans les quartiers populaires, notamment chez les Français les plus jeunes, de la figure particulière de Nicolas Sarkozy. On a au sein du gouvernement de droite, le président c'est Jacques Chirac, mais au sein du gouvernement, il y a un clivage assez fort entre le premier ministre Dominique de Villepin et le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui sont dans des luttes d'hégémonie, dans une forme d'opposition. En tout cas, sur le terrain, ce qui se passe, c'est que pendant plusieurs jours, les révoltes, les incendies, les violences se cantonnent à ces deux villes-là. Et on va voir on va passer du local au régional d'abord, où les événements vont s'embraser en Île-de-France, puis au niveau national, à partir de deux événements. Le premier, j'en ai parlé, c'est le mensonge, l'accusation de cambriolage, c'est-à-dire la criminalisation des victimes. Et deuxièmement, l'événement important, ça va être ça se passe pendant le mois de Ramadan, en fait, ces événements-là. Et donc, à la mosquée de Montfermeil, la mosquée Bilal de Montfermeil, pour connaître un petit peu la tradition musulmane, bon, la 27e nuit du Ramadan, c'est considéré comme une nuit extrêmement importante, qui peut être ce qu'on appelle la nuit du destin, et qui est une nuit sacrée, pour aller très vite, pour les populations musulmanes pratiquantes. Et donc, cette nuit du destin, en plus, son nom est fort, à la mosquée Bilal, est marquée par l'envoi de grenades lacrymogènes dans la salle de prière.
Et donc, on a des personnes qui filment avec leur téléphone portable, des fidèles, hommes, femmes, beaucoup de personnes âgées, des enfants qui sont asphyxiés par les gaz lacrymogènes, qui doivent évacuer, qui en plus derrière se prennent des menaces, des pressions et d'autres grenades lacrymogènes qui arrivent dans les alentours. Et ces images-là contribuent à nationaliser la révolte. On voit très bien qu'après les événements de la mosquée Bilal, il y a une extension au niveau national d'une révolte qui touchera au final 300 communes. C'est du jamais vu en France en termes de pour ce type de révolte-là. Ça touche toutes les grandes villes, toutes les périphéries, pas avec la même intensité des grandes villes françaises, mais également des villes moyennes qui n'ont jamais été concernées par ce type d'événement. Devant un mouvement qui déborde un petit peu les forces de l'ordre, le gouvernement de Dominique de Villepin décrète l'état d'urgence. C'est une première depuis la guerre d'Algérie et les événements de Nouvelle-Calédonie. Et une trentaine de communes instaurent un couvre-feu. Rapidement, sur le bilan matériel, au final, il y a 3 morts civils, 217 blessés parmi les forces de l'ordre, plusieurs centaines de blessés parmi les personnes qui se révoltaient, plus de 10 000 véhicules brûlés, 233 bâtiments publics détruits ou endommagés. La Société Mutuelle des Assurances des Collectivités Locales estime à l'époque le coût des dégâts à 250 millions d'euros. Plus de 6 000 personnes sont interpellées. 1328 seront écrouées. Et on peut dire que la justice a la main lourde à l'époque par rapport à ces événements. D'autant que les enquêtes que l'on a montrent que la plupart des personnes qui sont interpellées et écrouées n'ont pas de casier judiciaire, ne sont pas connues pour des faits de délinquance et ne portent pas... ce sont des révoltes qui ont recruté plus largement, qui ont attiré un public beaucoup plus large que la clientèle des bandes de jeunes transgressifs qu'on peut retrouver dans l'espace public habituellement. Donc voilà, au niveau des faits, ce sont des révoltes qui vont durer 3 semaines et immédiatement va se mettre en place une espèce de lutte d'interprétation, d'une opposition au niveau des discours, au niveau des types de discours sur ces événements-là, des événements qui vont éclipser tout le reste de l'actualité pendant plusieurs semaines avec des lives, avec des plateaux, notamment des chaînes d'information en continu qui vont être complètement absorbés par ces événements-là, qui vont avoir une résonance internationale, notamment un certain nombre de chaînes conservatrices aux États-Unis, je pense à Fox News, ont présenté et pré-présenté des cartes pour vous dire un petit peu la résonance que ça a pu avoir, présenté des cartes, demander à leurs touristes de ne pas aller à Paris et dans sa région, et présenter des cartes de ce qu'ils appelaient de no-go zones, c'est-à-dire des zones de guerre. Les no-go zones sont des zones de guerre, c'est-à-dire des zones où il y a une vraie mise en danger physique des personnes qui pourraient s'y trouver. Merci beaucoup, Marouane. Justement, sur cette question de la manière dont ça a été représenté, Latifa, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment ça a évolué, justement ? Oui, merci. Bonjour tout le monde. C'est vrai que sur la question de la représentation médiatique à ce moment-là ou du récit médiatique qui est fait, on va dire, et on va les appeler des quartiers populaires, on va juste remonter quelques mois avant, donc du coup ce mois d'octobre 2005. Faut savoir qu'il n'y a pas de rubrique dédiée quartiers populaires ou même territoires ruraux à ce moment-là. Il n'y a pas de journaliste en tant que tel qui s'occupe de ces questions-là. Les choses vont faire que quelques jours avant, on a un journaliste au Monde qui s'appelle Luc Bronner, journaliste éducation à l'époque, et qui dit à sa rédaction « Non, mais je veux m'occuper de ces territoires-là », et donc de faire un genre de rubrique mixte entre des territoires, ce qu'on appelle les périphéries, donc les territoires ruraux et les quartiers populaires. Et ce journaliste donc a bien entre guillemets choisi son moment parce que je crois qu'il il commence sur le terrain en début de semaine et le décès de Ziad Bena et Bouna Traoré se déroule quelques jours après, donc il se retrouve alors qu'il n'y connaît absolument rien, il n'est pas issu de ces quartiers-là et il se retrouve à couvrir ça, donc ça montre à quel point il y a une invisibilisation à ce moment-là des habitants des quartiers populaires, de leurs histoires, de leurs vécus, de leurs ressentis, etc. Et c'est assez déterminant évidemment dans la manière dont ces événements-là, ces révoltes de 2005 seront traitées, déjà par rapport à ce qu'a dit Marouane, avec des mécanismes dont on a l'habitude encore aujourd'hui sur les violences policières, de criminalisation des personnes concernées et ensuite de difficultés vraiment à comprendre. Je crois qu'il y a une question assez simple qui
cristallise un petit peu ça sur c'est celle de pas mal de gens, et c'est le travail de journaliste de relayer ces réalités là aussi, mais on dit s'ils courent, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique. Pourquoi court-on quand on voit la police parfois dans les quartiers populaires, et ça c'est une réalité qui était absolument absente des représentations médiatiques à ce moment là et finalement de ce que c'est la réalité dans un quartier populaire. Donc voilà, ça montre l'importance des médias, l'importance d'avoir des journalistes, non pas nécessairement, hein, je plaide pas qu'ils soient tous issus de ces quartiers-là pour en parler, mais en tout cas qui s'intéressent un minimum et qui aient l'intérêt, qui prennent le temps, et après la déontologie évidemment nécessaire pour faire ce travail-là. Le journaliste dont je parlais, Luc Brunner, s'est vu décerner l'année d'après le prix Albert Londres justement pour son travail sur les événements de 2005. Après, quoi qu'on en pense sur d'autres points de vue, etc. Mais il a pris le temps d'y aller et c'est ce qui est fondamental en fait pour couvrir de manière générale hein, l'actualité, mais pour des événements d'une complexité et qui cristallisent énormément de choses. Et notamment, il racontait qu'à chaque fois qu'il sortait un article sur ce qui se passait, le lendemain, il allait avec l'édition du Monde pour lire avec les personnes qu'il avait interviewées et pour qu'elles lui fournissent ses retours, etc. Et limite, c'est comme ça qu'il s'est formé à la couverture en fait des quartiers populaires de manière générale. Il faut savoir que c'est extrêmement rare à ce moment-là, comme ça a été dit, on est dans un traitement sensationnaliste de ce qui se passe. Il y a une déshumanisation qui est réelle des personnes et des habitants à ce moment-là. On va parler donc que de ces jeunes qui se révoltent, qui brûlent des voitures, etc., en interrogeant très peu leur motivation, entre guillemets, ou qu'est-ce qui a animé cette révolte-là au-delà du décès de ces jeunes et au-delà de ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a vraiment une absence de, comment dire, ce que je disais tout à l'heure, là, de prendre le temps et de venir essayer de comprendre ce qui se passe. Et on n'a que ça, à tel point que, et donc on en arrive à la création du Bondi Blog, à tel point que, au même moment, en Suisse, il y a des journalistes qui se disent, c'est quand même incroyable la manière dont les médias français couvrent ces événements. À la télé, quand on allume, on voit que des voitures qui brûlent, on ouvre la presse, on nous raconte que ça, on nous parle du danger que ces quartiers représentent, etc. Et des journalistes suisses se disent, bon, bah, comme on a une couverture médiatique de ces événements qui est comme celle de journalistes qui vont sur des territoires de guerre, en fait. Allons-y et implantons-nous, alors, dans ces cas-là, dans cette zone-là, et voyons au quotidien ce qui se passe dans ces quartiers-là. Qu'est-ce qui se passe le matin, en fait? Qu'est-ce qui se passe le midi? Qu'est-ce qui se passe le soir? Qu'est-ce qui se passe avant qu'on se mette à brûler une voiture, après qu'on l'ait brûlée, ou des établissements publics, etc., parce que c'est ce qui s'est passé. Donc, ils décident de venir et de louer un appartement à Bondy et de raconter ce quotidien-là. Parce que ils vont faire quelque chose que le journalisme télé, pour le coup, pour des raisons purement techniques, ne permet pas toujours. Le journaliste télé, quand il va venir pour son sujet de 13h, il va venir le matin, il va filmer ce qui reste des dégâts qui ont été faits dans la nuit, il va plier sa caméra, il va rentrer, parce qu'en fait, il faut qu'il fournisse ses images pour le JT de 13h. Il faut qu'il les monte, il faut qu'il pose sa voix, etc. Mais encore une fois, c'est la question, qui rencontre-t-on dans un quartier tôt le matin ? En vrai, pas grand monde. Pas grand monde, comme dans plein de lieux. Enfin, il y a des gens qui sont partis travailler, il y a des gens qui sont encore chez eux. Les gens qui ont déposé leurs enfants à l'école, ils sont rentrés. On rencontre vraiment très peu de personnes. Et donc, c'est une manière aussi de travailler qui n'était pas adaptée, mais qui est toujours le problème aujourd'hui. Donc, il y a cette question du temps. Et eux, ils vont aller à rebours de ça, en finalement prenant le temps, en s'implantant dans un quartier et en racontant le quartier au quotidien. En 3 mois, il y a au moins une quinzaine, en fait, toute la rédaction du magazine suisse de l'époque qui n'existe plus, qui s'appelle L'Hebdo, qui sont relayés, en fait, qui ont fait les allers-retours entre Bondy et Genève pendant 3 mois, une quinzaine de jours. Ils ont créé, à l'époque, c'était la mode des blogs. Et donc, ils ont créé un Bondy Blog pour raconter ça en plus de ce qu'ils mettaient dans leur journal. Et en fait, ça a rencontré un énorme succès finalement. Le nombre de visiteurs est extrêmement important. À l'époque, il n'existe aucun média qui est entièrement en ligne. Ça n'existe pas. Mediapart sera créé quelques temps après. Mais en tout cas, en pure player français, c'est le premier à ce moment-là, pour des raisons purement économiques, qui est créé. Et ça fonctionne super bien. Et au bout de 3 mois, pour des raisons évidemment financières, ils ne peuvent plus continuer à envoyer des gens là. Mais ils décident de le continuer et donc de passer les clés à un professeur d'économie à Bobigny qui s'appelle Mohamed Hamidi, et qui va lui recruter des jeunes pour leur dire, en fait, il faut continuer et il faut vous réapproprier vos récits. Et ce qui se passe à la télé, ça ne vous convient pas ou ça ne reflète pas ce que vous vivez, en fait, venez, on va vous ouvrir une
une porte et on va vous créer un espace pour que vous puissiez raconter, vous, votre réalité. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Je pense que ça dit beaucoup de ce qu'est le système médiatique français, de ce que sont les médias français quand on a dû attendre des Suisses pour qu'ils viennent créer cette initiative. Et plus tard, en masterclass au Bondi Blog, on a reçu des journalistes qui étaient en responsabilité à l'époque de Libération, de médias de gauche, etc., qui ont avoué un peu leur échec en disant « mais c'était à nous de créer ça, en fait. C'était à nous d'avoir cette idée. C'était à nous d'aller là-bas et de juste y rester 24 heures sur 24 à, je sais pas, enfin, Bondi, c'est pas extrêmement loin de Paris. Et c'est ça qui est assez, finalement, oui, révélateur de ce qu'était le traitement médiatique des quartiers populaires à ce moment-là, en 2005. Après, on reparlera peut-être de la manière dont ça a évolué, mais voilà, c'est une leçon finalement de journalisme qui a été donnée par les Suisses aux Français à ce moment-là. Merci. Vous en avez tous les deux, vous avez un petit peu abordé cette question et ce thème, mais peut-être aller un peu plus avant. Quel a été finalement l'impact des discours et des récits sur ces événements et réciproquement d'une certaine façon? Peut-être Marouad, puis Latifa, vous avez tous les deux un avis motivé, je pense. Tu veux commencer? La question des conflits d'interprétation dont je parlais tout à l'heure, elle est essentielle. Parce que très rapidement, il faut donner sens. Il faut donner sens à une crise, il faut l'interpréter, il faut l'analyser. Et la manière d'imposer tel sens ou tel sens, telle direction interprétative ou telle autre, a des effets politiques immédiats. Et ce qu'on voit très rapidement et très schématiquement s'installer dans l'espace public français, c'est un double clivage. D'abord, en termes de clivage, il y a tout de suite un discours d'ordre qui s'installe. Un discours de rétablissement de l'ordre qui est absolument central et qui fait consensus dans l'espace politique. Un discours de rétablissement de l'ordre, bien sûr promu par le gouvernement de Villepin, mais sur lequel s'aligne le Parti socialiste, par exemple. Le Parti socialiste ne va pas voter, va s'opposer au vote de l'état d'urgence. À l'époque, mais s'aligne sur la nécessité, avant toute chose, de rétablir l'ordre. Et du coup, on trouve cette résonance dans un certain nombre de discours de leaders politiques à gauche, cette primauté de l'ordre sur toute autre considération. D'abord, on rétablit l'ordre et après, on discute ou après, on réfléchit, comme si la réflexion, la discussion sur les causes pouvait être reléguée aussi facilement, aussi rapidement par rapport à la situation. Ça, c'est la première des choses. Donc, on a un clivage entre ce discours d'ordre qui devient très vite omniprésent et de l'autre côté, des tentatives portées par à la fois des habitants de ces quartiers, notamment ceux de Clichy-sous-Bois, un collectif d'acteurs qui se met en place et qui va être pérennisé sous le nom de Assez le Feu, mais en fait, c'est un collectif d'acteurs de Clichy-sous-Bois. Le maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, le regretté Claude Dillin, a un rôle absolument essentiel parce qu'il représente quand même une figure de l'institution, une figure du pouvoir et de la puissance publique, même si c'est à l'échelle locale. Mais il essaye de trouver les mots justes et une espèce d'équilibre entre la nécessité de cesser les violences, les dégradations que la population va finir par supporter d'une manière ou d'une autre, mais également la nécessité de comprendre la colère, la nécessité d'entendre ce que ceux qui s'énervent, ceux qui se révoltent ont à dire et la nécessité de critiquer les manières de faire de la police. Donc c'est un numéro d'équilibriste auquel il parvient assez bien. Il joue un rôle extrêmement important. Et puis, vous avez les analystes, deux types d'analystes, une espèce d'expertise plutôt sécuritaire qui se met vite en place, et le discours des sciences sociales qui tente très rapidement de se faire entendre. Moi, en tant que jeune chercheur, vous savez, j'étais en thèse à l'époque et je faisais mon terrain en 2005. Ça veut dire que je me rappelle très bien quand les violences explosent et qu'elles sont médiatisées. J'étais à Martigues, à un séminaire avec Didier Lapéroni et Michel Kokoreff. On regardait les images ensemble, mais moi c'était mon terrain, donc moi j'ai appelé mes frangins, mes amis en disant vous montez sur le toit, vous filmez tout ce qui se passe, vous me récupérez les vidéos, parce que j'étais dans cette phase d'accumulation. Le lendemain je rentre et donc je passe beaucoup de temps à voir comment les choses s'opèrent et comment les choses s'organisent sur le terrain de manière très empirique. Mais de manière générale, à part quelques exceptions, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs sur le terrain et il faut du temps pour la recherche.
Il faut du temps pour la recherche. Et donc, les chercheurs sont là, plus dans un discours méta d'interprétation, en pointant le fait que les inégalités, le racisme, les discriminations sont des causes structurelles et profondes, mais ils ont bien du mal à expliquer comment est-ce qu'un phénomène local, qui n'est pas nouveau, qui sera ni le premier et qui n'a pas été le dernier, hélas, va prendre une tournure et une dimension qui est nationale. Et donc, on a un conflit d'interprétation entre chercheurs, très rapidement, on pourra revenir dessus, et un conflit d'interprétation entre ceux dans l'espace académique et public plus général qui insistent sur les causes sociales et structurelles, sur la question des discriminations, et ceux qui sont dans un discours d'ordre, de rétablissement de l'ordre, et qui tentent par-dessus tout à criminaliser les comportements en réduisant ces révoltes-là à des comportements délinquants et des comportements criminels. C'est mieux comme ça. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, en tout cas sur l'impact des... Enfin, c'était, je pense que purement, ouais, d'un point de vue journalistique, c'était l'échec à retranscrire quels étaient les rapports police-population à ce moment-là. L'échec à mettre en lumière finalement les procédés de communication de la préfecture de police ou des forces de l'ordre de manière générale dans ces événements-là. Et, mais c'est un problème auquel on est aussi confronté aujourd'hui, hein, de, même si ça tend à évoluer un petit peu, mais de reprises systématiques des versions policières, quand il y a des cas de, enfin quand il y a des décès, des blessés, etc., dans ces histoires-là. Et c'est ce que ça montrait, et aussi de ces habitants de ces quartiers-là. Tout à l'heure, j'en parlais, qui étaient des humanisés ou qui regardaient ce qui se passait à la télé. Et nous, c'est pléthore de témoignages à l'époque, enfin qu'on a encore, de gens qui disaient, mais ce que je vois à la télé, c'est parce que je vis, pour des habitants de Clichy, de Montfermeil et de plein de villes qui étaient concernées par ça. Donc ça, l'impact, c'est que ça, à ce moment-là, creuser encore plus la distance, en tout cas médiatiquement, donc déjà qu'elle existait, qu'elle était assez forte, mais entre les habitants de certains de ces quartiers-là et les médias de manière générale, le fait de ne pas se reconnaître, ni dans les visages qui apparaissent à l'écran, ni dans les histoires telles qu'elles sont relatées, ça, je ne sais pas quel, très précisément l'impact que ça a pu avoir, etc., sur les gens, mais c'est juste que, par contre, je pense que ça a été enfin, je ne sais pas si c'est le début, mais en tout cas médiatiquement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas avec la création du Bondy Blog, ces événements-là, sur un sujet qui était peut-être plus facile à traiter que les sujets qui ont été évoqués par Marwan avant, de questions de sécuritaire, de violence policière, etc. Ce qui est indéniable, c'est que c'est vrai qu'à ce moment-là, sur les champs médiatiques, sur les champs éducatifs, etc., bah, il y a une prise de conscience, je pense, qui était plus facile à faire pour les responsables politiques que sur les questions de violence policière, où finalement on a eu, entre guillemets, un début de prise de conscience de certains responsables politiques, ou en tout cas au moins de responsables médiatiques, plutôt que ces dernières années, enfin qui est beaucoup plus proche de nous que 2005. Merci beaucoup. Et donc, du point de vue des pouvoirs publics, comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction, quelles ont été les réponses publiques des différents acteurs? Parce que c'est un champ assez divers. Il y a la police, il y a les autorités locales. Comment ça s'est passé? Peut-être Marwan et Latifa. Alors, l'action publique, y a deux manières de voir les choses. Il y a les réactions publiques, les communiqués, les prises de parole, qui ont été assez... comme je l'ai dit, assez marqué par un discours de restauration de l'ordre. C'est quand même quelque chose, des événements qui ont fait peur à la population, clairement, qui ont créé une espèce de sentiment de surprise, de colère pour certains, d'incompréhension pour beaucoup. Et donc, pour beaucoup d'élus locaux ou d'élus nationaux, il y avait quand même, mine de rien, une demande de sécurité qui s'est exprimée, qui n'a pas écrasé une demande de compréhension, mais d'abord la demande de sécurité. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette prise de position. Et donc, du point de vue du gouvernement, ça a été, bien sûr, le vote de l'état d'urgence, la mise en place de couvre-feu, mais également une répression... La première réponse des pouvoirs publics, ça a été la répression. Et une répression considérablement... enfin, une répression très ferme. Très ferme. Une institution judiciaire, comme je l'ai dit, qui n'a pas eu la main... qui a eu la main lourde. Et donc ça a été la première prise de position.
sur la question, mais très rapidement, il y a un débat qui s'est ouvert sur quelles étaient les causes et quelles pouvaient être les réponses apportées. On n'est pas dans un espèce de fait divers ou un événement qu'on pourrait réduire à un fait divers local. On est face à une question nationale. Et très vite, au niveau du gouvernement, par exemple, il y a une différence d'interprétation entre un De Villepin qui, même malgré son inscription à droite, est très sensible à la question, là, c'est tout le gaullisme social, très sensible à la question des inégalités malgré tout, à la nécessité d'apporter une réponse qui ne soit pas seulement une réponse de fermeté, une réponse policière, et un Nicolas Sarkozy très ancré dans un discours de criminalisation qui tente de faire pencher la réponse gouvernementale de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on a vu concrètement ? C'est que même si les pratiques policières étaient au cœur des reproches faits par la population, au cœur de la révolte, on n'a pas eu de modification de ce point de vue-là. Au contraire, ce qu'on a observé sur le temps long, c'est une forme de renforcement de la militarisation du maintien de l'ordre, un durcissement des pratiques policières et une espèce de montée en puissance des syndicats policiers à travers leurs revendications et leurs demandes de durcissement, de sécurité juridique par rapport à leur manière de faire la police, notamment dans ces territoires-là. Donc, d'un point de vue politique, si ces révoltes demandées étaient une critique forte de l'action policière, l'action policière s'en est retrouvée confortée et renforcée. Donc de ce point de vue-là, ces révoltes sont un échec en termes de débouchés par rapport aux pratiques policières. Sur la question des inégalités, il faut savoir que le contexte de l'époque, c'est quand même un contexte de suppression des emplois jeunes, ce qui étaient les emplois aidés qui permettaient à un certain nombre de personnes de vivoter avec des contrats précaires, certes, mais des contrats qui étaient existants. Et donc, on avait une période de baisse des subventions visant les associations, de désengagement de l'État d'un certain nombre de territoires. Et c'est une tendance qui a pu être freinée dans un certain nombre de lieux, mais on n'a pas eu d'inversion de ce point de vue-là, c'est-à-dire une espèce de d'effort majeur du politique pour répondre à la crise, ce qu'on a appelé la crise des banlieues, au moins du point de vue de l'action sociale. Le troisième point qui me semble important, c'est que ces révoltes-là ont eu pour effet de mettre à l'agenda la question de la lutte contre les discriminations. Et donc ça, c'est un effet qui est majeur. D'abord, il y a une loi, la loi pour l'égalité des chances de 2006, qui était une loi qui n'avait pas grand-chose dans son contenu, mais qui portait quand même une innovation juridique dans la lutte contre les discriminations, notamment dans le fait d'inverser la charge de la preuve dans la lutte contre les discriminations. Pour aller très vite, avant cette loi-là, si vous êtes victime de discrimination, c'est à vous d'apporter la preuve que vous avez été discriminé. À partir de cette loi-là, les choses s'inversent. C'est à la personne qui est accusée de discrimination d'apporter la preuve qu'elle n'a pas discriminé. Pour les victimes, ça change beaucoup, même si ce n'est pas des outils juridiques qui ont été massivement mobilisés par ceux qui se plaignent et qui dénoncent les discriminations. Là où finalement l'impact a été le plus fort, c'est dans la question de la rénovation urbaine, à travers les projets en rue, où on a vu clairement le gouvernement mettre le paquet sur la rénovation urbaine, notamment parce que les autorités se sont convaincues qu'en changeant le cadre bâti, en changeant le cadre de vie, ça allait atténuer le sentiment de relégation, le sentiment d'injustice, etc. Donc c'est une manière de reconnaître que le sentiment de relégation, d'injustice, la ségrégation sont des problèmes publics. À l'époque, 6,6 milliards d'euros sont investis par le gouvernement à travers le plan Borloo. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de quartiers ont changé de visage, très concrètement. Si on prend Clichy-sous-Bois et Montfermeil, sans ces événements-là, il y a très peu de chances que ces villes-là soient intégrées dans la réforme du Grand Paris et notamment l'arrivée du super métro sur ce territoire. Et l'arrivée du métro à Clichy-sous-Bois et Montfermeil va avoir un effet important dans le désenclavement du territoire. Ceux qui connaissent Clichy-sous-Bois et Montfermeil, que ce soit le cadre battu, le chêne pointu, le cadre battu, le bâti par exemple, sa dégradation. Moi, j'ai une tante qui habite là-bas au chêne pointu à Clichy-sous-Bois. J'ai toujours été choqué en arrivant dans son immeuble parce que c'est une copropriété dégradée. C'est pas un bailleur social ou un bailleur public. Et donc, le niveau de dégradation du bâti, les ascenseurs en panne, la difficulté, quand c'est une copropriété, de mobiliser les locataires, les propriétaires,
pour améliorer la situation. S'il n'y avait pas eu ces événements-là, il n'est pas sûr que la ville, ces quartiers-là, aient bénéficié de l'investissement public. Mais au final, juste sur la question de l'action publique, il me semble, et là c'est mon point de vue, que la réponse publique de manière générale n'a pas du tout, mais vraiment pas du tout, été à la hauteur de la colère et du sentiment d'injustice et de relégation qui s'est exprimé à cette époque. Et oui, je suis d'accord avec ce point. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, c'est comme s'ils avaient oublié, hein, mais peut-être ça les a arrangés, mais de considérer que les premières victimes, que ce soit des révoltes de 2005 et du climat social et des inégalités, ce sont les habitants des quartiers populaires, en fait. Et c'est ce qu'on a tendance souvent à oublier. On utilise ces crises-là, ces événements-là pour faire peur aux autres, à ceux qui n'y habitent pas, en oubliant que les premières victimes, elles sont juste aux alentours, en fait. Et donc, du coup, c'est ce qui a posé problème à ce moment-là. C'est vrai qu'évidemment, il y a la rénovation urbaine qui est incontestable, etc. Même si ça et là, ça a servi aussi pour mettre en place du mobilier sécuritaire, ce qu'on appelle mobilier sécuritaire. On savait que dans les quartiers ont été construits comme tels, que la circulation dans le quartier était super facile. On passait d'un immeuble par les caves, par exemple, ou c'était facilité, en fait. On pouvait circuler beaucoup plus facilement. Et la rénovation urbaine a servi, par exemple, à la mise en place d'un cadre, on va dire, architectural un peu plus sécuritaire, même si ça a permis d'améliorer effectivement le quotidien et le cadre d'habitation de plein de gens. Mais c'est aussi quelque chose qui peut interpeller. Et c'est vrai que sur le reste, comme je le disais tout à l'heure, sur les aspects sécuritaires, rapport police-population, etc., c'est toujours des sujets où c'est plus compliqué, avec plus d'enjeux et moins de, comment dire, j'allais dire moins de paillettes, c'est pas le terme, mais en tout cas sur l'aspect médiatique et ce dont je voulais parler, c'était plus facile à ce moment-là, presque de jouer aussi sur la mauvaise conscience de certains médias qui se disent médias de gauche, etc., mais qui font pas grand chose pour faciliter l'accès au métier de journaliste à des habitants de quartiers populaires. Et il y a eu des prises de conscience à ce moment-là qui ont été importantes, même si elles ont été clairement insuffisantes. C'est pas à ce moment-là qu'on a vu entrer plein de gens dans les rédactions nationales, etc. Ça s'est joué un peu plus tard. Et sur le plan entre des inégalités, de l'égalité des chances, etc., on a quand même vu émerger à ce moment-là des procédures pour faciliter l'accès aux jeunes étudiants boursiers de quartiers populaires ou non, mais en tout cas des jeunes étudiants boursiers aux grandes écoles, en aménageant certains concours, ce qui a pu provoquer des tollés ici et là, mais en tout cas d'essayer de réparer l'inégalité dont ils étaient victimes finalement depuis la naissance en adaptant certains concours. Donc il y a quand même des choses qui se sont passées, pardon, et il y a des remises en question qui ont été celles de certains responsables médiatiques, mais encore une fois, toujours insuffisantes, et évidemment toujours insuffisantes, parce que sinon aujourd'hui, ça serait pas ça serait presque plus un sujet, alors qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet, plus que jamais, parce que les sujets autour des inégalités dont on parle ces dernières années médiatiquement, etc., il y a 15 ans en arrière, il y a peu de gens qui en parlaient, en fait. La question des violences policières dont on parle dans les médias, les questions de minorité, les récits, en fait, des autres Français, entre guillemets, c'était moins présent il y a 15 ans. Ça l'est plus aujourd'hui, et c'est au moins quelque chose de positif à relever à ce moment-là. Et puis peut-être, ouais, avec l'existence du Bondy Bloc qui perdure après 17 ans, mais en termes de réponse publique, c'est aussi quelque chose qui est peut-être à raconter. Ce ne sont pas les pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics français soutiennent aujourd'hui le Bondy Bloc, vu qu'on est financé en grande partie par le ministère de la Ville, ce ne sont pas eux qui ont permis l'émergence du Bondy Bloc par le passé, parce que le premier financement
important du Bondi Bloc qui lui a permis de salarier des gens et finalement d'exister. Il était lors d'une campagne présidentielle qui était importante pour les quartiers populaires parce qu'elle a vu l'élection de Nicolas Sarkozy et Marwan a rappelé les liens et ce qui, j'allais dire, son œuvre au moment de 2005. Des Américains, personne de l'entreprise Yahoo qui a accordé un financement important au Bondi Blog et qui lui a permis de faire ce décollage en fait un an après les événements. Donc le soutien n'est pas venu de l'Hexagone, la création n'est pas venue de l'Hexagone et je pense que même s'il y a eu des soutiens ici et là, mais en tout cas les quelque chose qui est significatif sur le plan financier parce que c'est le nerf de la guerre, c'est venu de l'extérieur et je pense pareil que ça veut dire pas mal de la manière dont les personnes qui ont du pouvoir ou de l'argent dans ce pays décident d'investir ou pas dans des causes, même à des moments de crise particuliers. Merci. Réponse publique, la question de la question du durcissement des moyens, des méthodes policières, mais également mise en place timide, mais quand même de lutte contre les discriminations, question sensibilité, sensibilisation, question d'inégalité. Et face à ces réponses publiques, est-ce qu'on a assisté à des recompositions du champ militant en fait dans les banlieues et si oui, à quelle recomposition de ce champ militant aurait-on assisté? Je pense qu'on n'a pas mesuré les recompositions dans l'espace militant qui se sont mises en œuvre et mises en mouvement à partir de ces révoltes de 2015, de 2005. On a à la fois des recompositions qui sont visibles, dont je vais faire allusion, et qui marquent un tournant, je pense, dans les luttes des quartiers populaires ou de l'immigration, mais il y a aussi des formes de recomposition beaucoup moins visibles qui sont considérables. Pour les recompositions visibles, on a vu l'émergence, et ces révoltes-là ont marqué l'entrée en scène de nouvelles organisations dont l'histoire et dont la genèse est directement liée à ces révoltes de 2005. Quand on lit un peu les entretiens accordés par les fondateurs, les leaders, etc., on a clairement une filiation entre ces événements-là et l'émergence d'un certain nombre d'organisations plus ou moins radicales avec des positionnements qui peuvent être extrêmement différents. Mais je prendrai deux exemples importants, notamment le mouvement des indigènes de la République qui se crée en 2015 et qui est directement lié, quand on lit les interviews de l'une de ses fondatrices, Ouria Boutelja, il y a un lien qui est fait avec ces révoltes-là. Pas que ça, hein, c'est un mouvement qui a pris aussi racine dans ce qui s'est passé une année auparavant, avec tous les débats sur la loi du 15 mars 2004 autour de la question du port de signes religieux ostensibles, et donc qui a vu, les deux ou trois années précédentes, ont vu émerger un certain nombre d'organisations de lutte contre l'islamophobie qui a animé un petit peu la recomposition du champ militant. Et en 2007, on a une autre organisation qui s'appelle les Indivisibles, qui est en sommeil aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez les Indivisibles. Donc c'est une organisation antiraciste qui a été fondée par Rokhaya Diallo, Mamadou Ka, Adil El Wadeh, un certain nombre de personnes, et qui s'est fait connaître en organisant chaque année. C'est une organisation antiraciste très liée au quartier populaire, qui s'est fait connaître chaque année en organisant un événement qui s'appelait les Yabon Awards, dans lequel il constituait un jury et il distribuait des récompenses pour les personnalités publiques qui avaient tenu les propos les racistes les plus significatifs durant l'année. Donc ils ont récompensé un certain nombre de personnalités qui vont de Caroline Forest à je ne sais plus qui. C'est un événement qui a alimenté beaucoup de tensions, de conflits dans l'espace public parce que certains n'étaient pas contents d'être récompensés. J'ai eu l'honneur de faire partie du jury durant une année
Et en fait, typiquement, on a vu émerger ce type d'organisation-là, des nouvelles figures militantes qui sont venues élargir, compléter, modifier le champ militant issu et rattaché au quartier populaire et au lieu de l'immigration. Mais il y a eu un deuxième mouvement, peut-être moins visible, plus profond, c'est l'engagement politique local d'un certain nombre de figures d'acteurs des quartiers populaires dans les exécutifs locaux, comme conseillers municipaux, comme conseillers territoriaux des agglos, etc., comme conseillers régionaux ou départementaux, au niveau des élections cantonales. Et ça, c'est un mouvement qui est peut-être moins visible, moins spectaculaire, parce qu'une bonne partie de ces personnes-là ont voulu répondre à la crise de représentation politique, qui était l'une des causes de ces révoltes-là, hein, le fait que ces personnes-là n'étaient pas représentées politiquement ni dans les instances locales, ni dans les instances nationales, et que leurs paroles, les enjeux qui les concernent ne pouvaient pas être entendus dans les sphères décisionnelles, les sphères politiques de décision, dans les exécutifs locaux ou nationaux. Et donc, peut-être que là où les événements ont été le plus majeurs, c'est pas dans la représentation nationale. Vous voyez bien que on est encore dans cette crise de représentation nationale, dans les discussions autour des investitures actuelles là, autour de la France insoumise et de la nouvelle alliance, etc. Il y a un vrai souci de représentativité que c'est absolument pas gagné. Par contre, dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'exécutifs locaux, il y a eu l'engagement d'acteurs locaux, de simples habitants, de personnes qui étaient anonymes dans les élections municipales ou cantonales. Et cet engagement-là a donné lieu à l'augmentation du nombre d'élus locaux issus des quartiers populaires, etc. La seule étude qui a tenté de quantifier cette évolution a montré que l'avancée était quand même significative. Et si aujourd'hui on a un certain nombre de maires ou de maires adjoints ou de personnes dans des positions de pouvoir à l'échelle locale, pas que des petites villes, pas que des conseillers municipaux en charge de la jeunesse, de la politique, de la ville, etc., ce qui est noble, hein, je ne dénigre pas ça, mais c'est vrai que c'était une espèce de cantonnement pour ces élus-là. Ils étaient cantonnés au sport, à la jeunesse et à la politique de la ville. Aujourd'hui, une ville comme Saint-Ouen, qui est une grande ville de Seine-Saint-Denis, est dirigée par un maire issu de l'immigration et des quartiers populaires, la ville de Stein, également la ville de l'île de Saint-Denis, la ville de Goussainville, la ville de Trappes. Et donc on a des villes avec une forte population qui ont aujourd'hui des maires qui sont issus des minorités populaires et des groupes racisés. Donc j'ai pas cité tout le monde, quelques villes assez significatives, notamment en Île-de-France, mais c'est quand même un mouvement de fond. Et si aujourd'hui il y a une telle bataille, par exemple, sur les investitures dans les circonscriptions gagnables, je ne parle pas des investitures dans les circonscriptions ingagnables, il y a toujours eu une extrême générosité des partis politiques pour laisser des figures locales aller se casser la tête contre le mur. Mais là, la discussion se porte sur des circonscriptions gagnables, et il n'est pas impossible pour le moment, même s'il y a beaucoup de mécontentement qui s'exprime, que rentrent à l'Assemblée nationale des personnes qui n'ont jamais siégé, donc des profils qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale. Et il me semble qu'on ne peut pas séparer ce qui s'est passé durant la décennie 2000, les différents événements, et ce qui s'est passé ensuite et ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. Je respectais le conducteur. J'avoue, c'était la question de Marouane. Je restais. Non, mais je ne sais pas si je suis compétente là-dessus. Moi, juste une c'est vrai qu'une remarque, quoi, on a plusieurs mairies, etc. Mais en tout cas, revenir sur 2007 et le fait qu'on ait, par exemple, Rachida Dati, ministre de la Justice, d'un ministère régalien. Moi, ce qui m'a toujours interpellée, c'est que bah, quand c'est l'issue du suffrage, on a davantage d'hommes noirs, là, particulièrement issus de l'immigration, d'hommes issus de l'immigration maghrébine, etc., qui sont à des postes à responsabilité, mais de faire la différence entre hommes et femmes. Les femmes sont toujours perçues peut-être comme moins dangereuses, entre guillemets, et on les mettra à des postes de ministres régaliens, etc., sans, on va dire, peut-être moins de problèmes qu'un homme noir ou qu'un homme arabe, etc. Et c'est vrai que dans l'histoire et dans les gouvernements successifs, on a eu peu d'hommes issus de l'immigration à des postes de ministres, même aucun
je vais dire, vraiment importants, entre guillemets. Peut-être qu'on a eu Azouz Begag, on en a eu d'autres, à des secrétariats d'État ou des choses comme ça, mais des ministres tels que le ministre de la Justice, ou même pour la politique de la ville avec Fadel Amara. Et c'est vrai que c'est je trouve, une observation qui est intéressante à faire, parce qu'on rentre encore dans un, j'allais dire, degré de raffinement du racisme qui est particulier et du sexisme, que voilà, je pense qu'il est important de saluer, parce que voilà, même de signaler, pardon, parce que on voit même ouais, le lapsus, il est. Mais parce que voilà, 2005, etc., on a évidemment le renforcement de l'image de l'homme des quartiers populaires, violent, extrêmement menaçant, dangereux, qui serait incapable d'avoir des postes à responsabilité, même si on lui offrait presque. Et ça renvoie à ce côté paternalisme qui était mentionné, hein, de beaucoup de monde qui était cantonné à des postes autour de la jeunesse, des loisirs, etc. Et donc voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on essaye de faire dans ce cycle de crise, c'est d'essayer de tirer des enseignements des différentes crises et de voir ce qu'il y a de plus général. J'ai pris des notes au fur et à mesure de ce que vous disiez. Donc, on est parti d'une mauvaise connaissance du terrain, en tout cas par les gens qui n'y étaient pas, et d'un défaut de représentation. Ce qui fait que quand la crise a émergé, il y a eu une double type de réaction. D'une part, un discours d'ordre et de criminalisation avec une répression forte, et en parallèle, un essai de compréhension des causes profondes, mais qui a buté sur le fait qu'il y avait peu de connaissances. Donc, on voit déjà que la nécessité d'avoir des instruments fiables de représentation n'était pas là, et donc n'a pas permis d'adresser le problème. Il y a eu un manque de réflexivité aussi sur l'action policière et politique, et il y a eu un engrenage répressif. Hein, c'est ce que Bethon aurait appelé de la schismogénèse symétrique, donc une espèce d'escalade symétrique. Vous avez mentionné des effets qui étaient des effets correctifs, en fait, ou des effets qui ont été engendrés par la crise. Une petite correction au niveau de l'action sociale par les pouvoirs publics, mise à l'ordre du jour de la discrimination, une nouvelle approche médiatique dont le Bondy Blog est une très très belle illustration, mais il y a eu aussi une réflexion de la profession sur la manière dont on devait traiter plus en profondeur ces sujets. Il y a eu un durcissement de système répressif, il y a eu en même temps des investissements dans la rénovation urbaine, pas de prise en compte en profondeur, en fait, des habitants comme victimes. Donc il y a toujours eu une séparation, finalement, qui est restée entre les habitants des quartiers ou de la banlieue et le reste. Quelques initiatives médiatiques locales et éducatives, hein, la question des prépas de la classe de la réussite, etc. Et puis, de nouvelles organisations, certaines qui sont militantes. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup parlé, mais elles ont une caractéristique assez spectaculaire d'utilisation des médias par rapport à des organisations militantes plus anciennes. Je pense que ça aussi, c'est nouveau. Et l'utilisation de la communication comme arme, qui a sans doute été une découverte. Il y a une prise de conscience de l'importance de la communication lors de ces crises des deux côtés, et en particulier du côté des habitants qui se sont bien organisés, et l'engagement de figures locales dans les collectivités locales qui visent un changement en profondeur. Bon. Donc, il y a eu un certain nombre de changements. Alors, les questions qu'on peut se poser un peu à distance, c'est qu'est-ce qui a été notable et qu'est-ce qui est durable là-dedans, et qu'est-ce qui peut resservir pour éviter qu'il y ait des crises du même type, ou comment réagir, parce qu'il va se produire encore des crises du même type avec l'augmentation des inégalités dont on a parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'avenir, je dirais, de ce qui s'est passé. Alors peut-être Latifa, puis Marouane. Ouais, je réfléchis en même temps, parce que je dis qu'est-ce qu'on peut tirer de l'avenir d'une crise de 2005, mais dont on est déjà dans l'avenir. Mais je pense que je sais pas si ça va être déprimant ou pas, mais c'est toutes ces pistes-là, finalement, à renforcer, et on assiste, j'ai été
extrêmement, moi, surprise et choquée de voir, par exemple, après la crise sanitaire que nous avons traversée et dont on sait à quel point elle a impacté les habitants des quartiers populaires, comment ce n'était pas un sujet pendant la campagne présidentielle, par exemple. Comment tout a été un peu oublié ou occulté pour, enfin, sciemment. C'était assez... j'ai trouvé ça assez désespérant, en vrai, qu'on se dise, bon, bah, on a... Et puis, il n'y a plus le sujet de la méconnaissance. Il faut savoir que sur l'aspect, en tout cas, communication, pour les quartiers populaires, il y a évidemment le Bondy Blog, mais il y a, par rapport à 2005, énormément de jeunes qui prennent la parole sans qu'on la leur donne, et ils ont bien raison, et qui créent des contenus sur les réseaux sociaux, partout, pour parler de leur réalité, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est positif. Si ça s'était passé aujourd'hui, ça n'aurait pas été pareil, évidemment, mais en tout cas, d'avoir ce point-là qui est positif, en tout cas sur la communication, cette question de la réappropriation des récits, etc., elle n'a plus à être portée par des structures en tant que telles, souvent. Alors, pour qu'elle ait plus d'impact, effectivement, après, il faut qu'elle soit relayée, amplifiée, etc., mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la... de l'autocensure qui n'existe plus sur ces questions-là pour plein de plus jeunes, pour plein de plus jeunes que moi, et qui prennent la parole, et donc ça, ce qui est quelque chose d'assez positif, je trouve. Et sur le champ politique, on voit quand même des thématiques émerger qu'on n'aurait pas pu voir émerger auparavant, notamment grâce à l'action de militants ou d'autres médias, etc., et je trouve que c'est assez pertinent à soulever. Et ensuite, j'allais dire, je prêche pour ma paroisse où je fais de la promo, mais le fait que le Bondy Blog existe depuis 17 ans, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, dans quelles que soient les conditions, hein, plus ou moins compliquées, mais le fait que ça perdure, c'est je trouve assez positif, que les personnes avant moi et les personnes qui seront là après moi, je l'espère évidemment, mais qui témoignent en tout cas d'une nécessité de ces récits médiatiques là autres, et de ramener sur le devant de la scène des sujets qui sont pas traités par les autres médias, de former en fait des jeunes journalistes qui travailleront dans d'autres rédactions. Donc voilà ce qu'on peut en tirer, je pense, c'est ça, même si y a toujours, évidemment, il y a toujours des problèmes, et comme je disais au début, cette crise sanitaire et l'impact que ça a eu, ou même on n'a plus besoin de dire, les responsables politiques ne peuvent plus dire on n'est pas au courant. Quand je parlais des gens qui créent des contenus, etc., c'est facilement consultable, le Bondy Blog, plein d'autres médias sont facilement consultables, les statistiques existent, les écrits évidemment universitaires, les chiffres, même les rapports parlementaires, en tout cas pour si on prend l'exemple de la Seine-Saint-Denis, les inégalités sont évidemment toujours là. Par exemple, la Seine-Saint-Denis est un désert médical, hein, 37 communes sur 40 n'ont pas suffisamment de médecins. Il y a un problème évidemment d'éducation, les élèves perdent un nombre d'heures de cours chaque année qui est absolument démesuré. Pour donner un exemple, je crois que le lycée le mieux doté de Seine-Saint-Denis est toujours moins bien doté que le moins bien doté établissement parisien des lycées. Donc ça vous donne une idée. Alors vous prenez celui qui est le moins bien doté à Paris, il est toujours mieux doté que le meilleur lycée doté de Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est un rapport parlementaire Cornu-Gentil qui existe, qui est facilement accessible. Et donc voilà, et sur les histoires personnelles, il y a énormément de choses à lire partout. Donc voilà, c'est toujours pareil. C'est comme quand on nous dit, pour lutter contre les discriminations, on va faire des testings. Là, en fait, les testings, c'était 2005. Allez, on les laisse encore à ce moment-là. Mais là, le temps de l'action est arrivé. Et la chose qui est positive, c'est que voilà, je pense qu'il y a de moins en moins d'excuses pour que les gens n'agissent pas, qu'ils soient responsables politiques, institutionnels, associatifs, etc. Et je crois que c'est ce qui est... Et puis, il y a aussi une génération qui émerge, etc., et qui a, je pense... je pense qu'ils ne s'excusent plus d'être là, et je pense que ça va porter ses fruits dans les années à venir. C'est très compliqué comme question. Je suis admiratif de Latifa et de sa capacité à y aller. Moi, la projection dans le futur, j'ai pas été formé à ça. Moi, c'est très compliqué. Je fais très attention. Je dirais juste que depuis 2005, quelles ont été les grandes structures de cette révolte-là. La question des inégalités, des écarts de richesse,
des inégalités démultipliées. C'est une question qui est fondamentale. Et si on regarde depuis cette période-là, l'évolution, elle est pas bonne. L'évolution, elle n'est pas bonne, que ce soit en termes d'augmentation des inégalités et des écarts de richesse et la paupérisation d'une partie de cette population qui s'est révoltée. Donc, ça pose la question de fond, c'est celle du partage des richesses dans un pays aussi riche que celui qui est le nôtre. Et là, le débouché politique par rapport à ça, il est national. Il est global et c'est pas quelque chose qui se joue au niveau des luttes locales, la question du partage des richesses. Et c'est un enjeu qui est fondamental qu'on ne peut pas déconnecter de la question des révoltes. Donc vers quoi on va politiquement, je sais pas. Vers quoi on va en termes de partage des richesses, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que le discours qui consiste à individualiser le sort de chacun, les difficultés de chacun, a vite atteint ses limites. Comme l'a dit Latifa, la production d'analyses, de discours, de médias, d'organisations différentes, la confiance et le bagout des nouvelles générations militantes est assez remarquable. Les moyens utilisés sont assez remarquables. Donc de ce point de vue-là, du point de vue des luttes, je ne suis pas trop inquiet. Des mobilisations, je ne suis pas trop inquiet parce qu'il y a du monde et puis il y a de la créativité, etc. Et puis les gens ne sont pas encore coalisés. Qu'est-ce que ça va devenir quand les gens vont se coaliser, en fait, dans les luttes pour l'égalité? Ce n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de divisions. Mais le jour où ces gens-là vont se coaliser, les différentes organisations, ça va être une vraie capacité de mobilisation, une vraie puissance politique. On n'est pas encore là. Mais dans le même temps que le discours, que l'analyse, que la critique avance, il y a l'effet, il y a le backlash. C'est-à-dire qu'au même moment où ces luttes avancent, l'électorat, par exemple, du Rassemblement national augmente aussi. Voilà. Ça augmente aussi. Et ça, il faut le voir. Et faut pas le mettre de côté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite avancée, il y a un backlash derrière. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça la difficulté à résister aussi à ces mouvements, à ces backlashes. Deuxièmement, le deuxième point, c'est au niveau des enjeux de dignité qui étaient présents pendant la révolte. La dénonciation du mépris dans les discours, des discriminations, du racisme, etc. L'analyse de l'antiracisme, les organisations de lutte contre le racisme, ça a progressé en fait. C'est déjà présent depuis les années 2000, mais c'est en progression. Il y a de plus en plus de travaux, d'études, d'analyses, de mouvements, d'organisations, d'initiatives. Et à côté de ça, on a atteint, du point de vue de l'État français, là je parle, des politiques de mépris. Alors que les gens attendent des politiques de reconnaissance, on a en face des politiques de mépris. Loi séparatisme, la manière de traiter la question des violences policières ou les victimes de violences policières, etc. Et là encore, il y a un écart qui s'est... Au lieu qu'il y ait un rapprochement, qu'on aille vers des politiques de dignité et de reconnaissance, on a été vers des politiques de mépris, une accentuation des politiques de mépris. Donc là, difficile d'être très optimiste quand on voit la trajectoire, la tendance. Mais bon, on ne peut pas insulter l'avenir. On ne sait pas ce que politiquement, comment les choses vont se passer pour les années à venir. Troisièmement, c'est les manières de faire de la police et les manières politiquement d'utiliser les forces de police et de gendarmerie auprès des minorités, mais plus généralement auprès vis-à-vis des personnes qui protestent. Parce qu'aujourd'hui, cette répression-là, cette brutalité-là d'État, elle ne vise pas seulement les jeunes arabes et noirs, hommes arabes et noirs des quartiers populaires. Elle touche toute une série de mouvements sociaux, des gilets jaunes aux antifascistes, en passant par les pompiers, en passant par les infirmières, les infirmiers, etc., qui protestent contre les politiques qui sont menées, les politiques néolibérales, de destruction du service public, etc. Les services publics, parlons-en, c'est quand même un outil, un instrument de cohésion sociale et de solidarité qui est essentiel. Et l'évolution, c'est leur destruction. Je veux dire, j'invente rien, c'est même pas une critique politique, c'est un constat qu'on peut faire. Donc, on est dans cette tendance-là, en fait. La réalité, c'est qu'on est dans cette tendance-là et que les révoltes de 2005 n'ont pas modifié cette tendance-là, même s'il y a eu une politique d'urbanisme, un urbanisme très sécuritaire, Latifa a raison de le rappeler, même si on a des outils juridiques de lutte contre les discriminations, la réalité, c'est qu'il y a par les élites un durcissement, une radicalisation des élites
qu'on ne veut pas aborder comme tel vis-à-vis des minorités, minorités ethno-raciales, mais minorités religieuses, minorités sexuelles, etc. Il y a une forme de radicalisation au même moment où, où il y a des formes d'émancipation et des luttes d'émancipation qui se développent. Donc, moi, je suis... Je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui viennent, mais les années récentes et les années post-2005 n'ont pas été des années extraordinaires, d'autant plus que même les parenthèses où la gauche a eu tous les leviers du pouvoir, la gauche de gouvernement, on a vu qu'on a eu une accentuation des politiques qui avaient été menées et qui avaient été lancées par un gouvernement, le gouvernement de sous Sarkozy, la présidence Sarkozy, par exemple. On a pour aller plus loin, on a même des politiques publiques où Sarkozy était peut-être plus à gauche que Hollande. Bon, alors le PS le paye très cher. Hein. Le PS le paye très cher, paye le prix. Mais je veux dire, la tendance actuelle et le tableau, si on veut avoir un tableau réaliste et assez global, c'est pas un tableau extraordinaire. C'est pas un tableau extraordinaire. Voilà. J'entends bien, mais je veux dire, on sait que la situation est difficile. Et le problème, c'est que ça ne va que se tendre encore plus parce que il y a l'épuisement des ressources, que ça amène une compétition accrue, que notre système monte les gens les uns contre les autres et que dès qu'il y a frustration et violence, ça ne fait qu'engendrer un cycle. Bon. Ce que j'ai trouvé assez fascinant dans les réactions, par exemple, au niveau du Bondy Blog ou de l'entrisme au niveau des collectivités locales, c'est qu'il y a quand même des solutions constructives au niveau local, ce qui me paraît désespérant. Et je voudrais être sûr qu'on est d'accord sur ce diagnostic, parce que j'espère qu'il est faux. Vous dites que le partage de richesses ne se joue pas localement. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas aussi des solutions locales. Bien sûr, il y a des choses nationales, mais il y a quand même des choses qui peuvent se jouer localement. Et on voit que induire de la réflexivité dans le pouvoir, et ça a été le cas pour certains aspects, ça a donné des choses positives, y compris d'ailleurs sur les traitements policiers, même s'il y a une radicalisation qui est indéniable. Et les instruments de réflexivité qui ont été portés pour que, je dirais, d'abord, il n'y ait pas le défaut de représentation au niveau des pouvoirs publics ou au niveau des parties prenantes d'une manière générale, parce que les gens ne se connaissent pas forcément non plus eux-mêmes, c'est la manière dont ils se représentent, a été quand même quelque chose de positif et qu'on doit et qu'on peut encourager, et on le voit. Et même si le Bondy Blog a été créé par des Suisses avec du financement américain, il est quand même encore maintenant financé un petit peu par les pouvoirs publics. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour encourager ça. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent sortir positivement du constat, où malgré une dérive vers de plus en plus de tensions et probablement de violences, on a vu des initiatives qui vont aussi dans l'autre sens. Et de même que c'est vrai que la dignité, le mépris, etc., il y a eu une tendance à l'accentuation de ça et à une radicalisation de la population. On l'a vu avec le résultat des dernières élections, avec le Rassemblement national et son score, qui sont quand même assez terrifiants. Mais d'un autre côté, en même temps, il y a eu aussi l'émergence de la prise de conscience d'un certain nombre de réalités sur la diversité. C'est pas si noir que ça. Je veux dire, c'est le résultat est pas bon, mais il y a quand même des forces dans l'autre sens, et c'est celle-là qu'il faut peut-être montrer du doigt, parce que les pouvoirs publics sont pas que, je dirais, ils essayent aussi de résoudre les problèmes. Et si on leur dit ça, c'est quelque chose qui marche. Ça peut avancer. Donc je voudrais nuancer. D'habitude, c'est moi qui suis toujours pessimiste, Dark Prophet of Doom, mais là, je pense qu'il y a quand même des choses que vous avez démontré, qu'il y avait des choses qui pouvaient marcher. La construction d'un discours, d'une connaissance de la situation locale, la mise en lumière de ce qu'étaient vraiment les mécanismes, la construction d'instruments de voix, hein, au sens de Hirschman. Enfin, il y a des choses qui sont très positives, qui sont sorti de ça, donc c'est pas même si ça n'a pas suffi, je veux dire, voilà, c'est ça. Je sais bien que la situation est... Non, mais oui, je comprends. Non, mais parce que là, il n'y a que des choses pessimistes qui me viennent à l'esprit. Donc du coup, effectivement, non, mais oui, vous parliez, enfin, je parlais de ce que je connais, vous parlez de l'exemple du Bondy Blog. Oui, effectivement, c'est, encore une fois, c'est une victoire que ça existe après 17 ans, etc. Mais
Un autre média est possible, effectivement, mais c'est aussi derrière, effectivement, à quel prix de l'engagement de nombreuses personnes qui n'existent pas dans d'autres médias. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand on les rencontre, on dit mais le Bondiblog n'est pas la place où il devrait être, quand on voit des médias d'extrême droite émerger et être soutenus, etc. Donc, effectivement, c'est une bonne chose, mais c'est l'engagement d'énormément de personnes qui ont énormément donné, qui ont presque milité, pris sur leur temps personnel, accepté de ne pas être forcément rémunéré à la bonne hauteur, on va dire, pour faire ce travail-là par le passé. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose qui peut être vu comme extrêmement positif, à raison. Et avec, Marouane en parlait tout à l'heure, avec de l'autre côté, d'autres initiatives médiatiques qui émergent. Mais le principal, c'est peut-être dans la philosophie de se dire cette question de se réappropriation des récits, de se dire que les gens peuvent raconter les choses eux-mêmes et de rendre ce journalisme-là plus accessible, d'avoir donné envie à des personnes d'être journalistes et de leur dire que c'était possible et qu'ils puissent intégrer des rédactions ou créer leurs propres médias, parce qu'on n'est jamais assez sur ces questions-là. Quand on voit ce qui se passe en face, il n'y en aura jamais assez. Et effectivement, sur ce principe-là, mais c'est aussi de dire est-ce que les gens sont toujours cantonnés à se battre plus que les autres. C'est aussi une question, après c'est presque philosophique, mais en tout cas voilà. Moi j'entends bien, on part d'un phénomène, on part d'une crise, cette crise elle a donné lieu à une explication, et cette crise elle a reposé sur des ressorts, et moi je fais le point de chaque ressort en fait. Comment les choses ont évolué? Les choses ont évolué plus négativement que les évolutions positives. Et il est vrai de rappeler qu'il y a eu des évolutions positives. Le Bondiblog en est une. Il y en a eu d'autres. On a essayé d'en parler. Et moi, je le dis encore, le renouvellement du champ militant et des initiatives militantes, sans se focaliser sur les figures les plus médiatisées, etc., c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Et j'insulte pas l'avenir. C'est-à-dire que là, localement, il peut y avoir des alliances qui n'existent pas actuellement, parce qu'il y a un peuple de gauche qui est fragmenté et qu'ils ne travaillent pas forcément ensemble. On en a discuté un petit peu avant de commencer. Même dans les quartiers où il y a un peu de mélange, les gens sont dans la proximité spatiale, mais pas dans la proximité sociale. Même s'ils cohabitent, et alors que c'est des gens qui vont voter pour les mêmes partis, les mêmes candidats, qui partagent les mêmes valeurs, mais il y a une différence un peu qui est difficilement dépassable. Et moi, ça fait depuis début des années 2000 que je suis engagé au niveau associatif à l'échelle locale. J'ai créé plusieurs associations, encore une il y a quelques années. J'ai toujours essayé, mais vraiment à titre individuel, de créer ces passerelles. Finalement, je me suis retrouvé avec les miens pour aller très vite localement. Très très compliqué de tisser des alliances avec des personnes qui ne sont pas ces milieux-là, ou bien sur un mode paternaliste absolument méprisable, et ça ne fonctionne pas. Donc il y a aussi une réalité de, oui bien sûr que localement on peut construire des passerelles, on peut construire des choses, et il faut que ça se construise, et certains tentent de le faire ici et là. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus... faut rester lucide sur les capacités d'alliance de différents groupes sociaux qui ont des intérêts communs, mais qui n'ont pas forcément la même vie. Donc oui, ces choses-là sont à construire. Oui, vous avez raison, dans le champ des idées, aujourd'hui, on a un certain nombre d'universitaires, d'intellectuels, de journalistes, de médias, d'organisations qui produisent de l'analyse, qui produisent de la narration, qui produisent de la littérature. On n'a jamais eu ça historiquement depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Il faut le saluer, et tant mieux. Il faut le saluer parce que c'est des personnes qui produisent, mais à quel coût? À quel coût leur visibilité? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de payer ce coût-là pour juste être là et produire des idées? Je veux dire, c'est pas du tout acceptable. Et souvent, quand ils prennent les coups, il n'y a pas grand monde autour d'eux. La réalité, c'est que je veux bien d'être optimiste, mais quand on discute avec ces gens-là, quand ils sont au cœur de la tornade, ils se démerdent par eux-mêmes. Et je veux dire,
Je veux dire, c'est important de le, c'est important de le souligner parce que sans ça, on peut pas comprendre pourquoi est-ce que finalement c'est très compliqué de construire un nouveau consensus, quelque chose, une dynamique majoritaire qui puisse réimposer une dynamique progressiste pour aller un petit peu de l'avant. Bien, merci. Il va falloir qu'on laisse la salle. C'était un débat extraordinairement intéressant. C'était un sujet compliqué dont on voit qu'on n'est pas sorti et que effectivement les choses ne vont pas toujours dans le sens qu'on voudrait voir, mais qu'il ne faut peut-être pas désespérer non plus. Et on a vu aussi des exemples de choses utiles pour l'avenir, je pense. Je voudrais vous remercier d'abord tous les deux, remercier notre public et laisser maintenant la parole à Séverine pour qu'elle puisse annoncer la suite. Branché. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être venus assister à cette séance tout à fait effectivement passionnante et enrichissante, même si avec l'avenir n'est pas radieux, mais nous allons essayer de nous en sortir. Donc merci Latifa Oulkouir et merci Marwan Mohamed. Donc la dernière séance du cycle cette année portera sur la crise qui a eu lieu à la suite de la tempête de 1999 et elle aura lieu le 10 juin à l'IEA, donc cette fois-ci Quai d'Anjou, nous avons alterné les sites pour cette année, voilà, donc avec l'ancien directeur EDF qui était là, qui était en poste à l'époque de la crise en 99 et Saadi Lalou qui lui-même en tant que psychologue social je crois a participé à la gestion de cette crise. Voilà, c'est Saadi Lalou. Donc nous vous convions à cette séance et je vous rappelle également que la séance d'aujourd'hui sera mise en ligne, je ne me trompe pas, sur le site de l'IEA d'ici, alors le temps que ça soit fait, monté, etc., d'ici deux semaines, mettons. Donc vous pourrez revoir et surtout partager cette séance. Voilà, donc merci beaucoup et puis bonne soirée à toutes et à tous.